Salut amis de YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tandis que Basim est en train de rejoindre tout seul son lieu de mission, je peux vous parler un peu de celle-ci, qu'il s'agit d'aider des marchands à rentrer dans une ville, et il va y avoir aussi un collecteur d'impôts. Donc je vous laisse regarder cela, bon visionnage à vous, et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion de cette vidéo. Qui va là? Je viens ici en paix. Assalamu alaikum. Je suis envoyé par l'une de vos amies, qui s'inquiète de votre sort. Comme te l'indique la tête de ce cheval, elle n'a pas tort de s'inquiéter. Nous ne savons pas quoi penser de tout cela. Laissez-moi vous aider. Je peux peut-être découvrir ce qui est arrivé. Nous t'en serions reconnaissants. Le coupable a dû laisser un indice. Des traces de pas, et de sang. La tête de cheval a été apportée au centre du campement. Mon cheval, mon aubergine adoré, Malak. La tête a été qui a pu faire une chose pareille? Ne me regarde pas comme ça. Tranchant. Je n'ai rien fait de mal, moi. Est-ce que c'était ton cheval? Il est chez Hadès maintenant. Non seulement je dois me soucier de la cupidité de Bagdad, mais je dois aussi m'inquiéter pour mes bêtes. Malaka. Repose en paix, mon aubergine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé durant la nuit. Je n'ai pas bien vu, mais... il me semble avoir vu quelqu'un. Je crois, je n'en suis pas sûr. Examine les lieux. Je crois savoir ce qui s'est passé. Le but était de vous intimider. Quelqu'un cherche à empêcher votre arrivée. Non, non. Mais qui ferait une chose pareille? Je n'ai pas d'ennemis. Aucune querelle. Les choses risquent de s'aggraver si vous continuez votre chemin. Je me propose de vous escorter jusqu'aux portes. Tu ferais cela pour nous? Shukran, Dieu te bénisse. Vite, allons-nous-en d'ici. Allons-y. La ville n'est pas très loin. En route. Il faut partir d'ici. Vite.
J'aurais mieux fait de rester chez moi. Où est-ce chez toi? Je viens d'une contrée appelée Grèce, à l'ouest, de l'autre côté de l'eau. Avec mon cheval, Aubergine, je transportais des marchandises à Bagdad. Ah, les villes que nous avons vues. Al-Quds, Basra et même Samara. Mon ami la commerçante m'a dit que ces marchandises étaient destinées au Daïrat al-Mal. Mais les grandes enchères sont un événement majeur, et cela fait augmenter la demande. Alors, compte y assister? Y assister? Ah, j'aimerais avoir assez d'argent pour ça. Non, nous ne faisons qu'aider aux préparatifs. Yeah! Qui vous envoie? Vous êtes faits comme des rats. Pour entrer à Bagdad, il faut en payer le prix. Qui vous envoie? Vous êtes faits comme des rats. Pour entrer à Bagdad, il faut en payer le prix. Je vais t'enterrer. Salope! Qu'est-ce que tu mijotes? Où viens-tu? Les gardes rendent compte à quelqu'un du nom d'Al-Anka. Voilà qui vient confirmer mes soupçons. Il était envoyé pour nous tuer? Absolument. Ça n'a rien de surprenant. Nous nous sommes exprimés contre le califat et ses impôts injustes. Cela peut nous coûter la vie, mais l'agneau silencieux est l'allié de la corruption. Ces gens n'aiment pas qu'on s'oppose à eux. Cela ne m'étonnerait pas qu'ils fassent de nous un exemple à l'intention de ceux qui seraient tentés de faire de même. Bagdad, vous voilà davantage en sûreté. Tu es merveilleux. Merci à toi. Nous y sommes. Mille merci, Yassaïdi. Même si Bagdad n'est pas un lieu sûr, rends-toi compte, on parle sur les marchés de négociants traînés hors de leurs échoppes. As-tu entendu de telles injustices? Qui pourrait faire ça? Selon la rumeur, c'est aux étrangers qu'on s'en prend. Aux marchands qui ne sont pas d'ici. Les Abbassides, ils veulent une part de toutes les affaires. Quand il y a de l'argent en jeu, les vicomtes peu. Le message qu'avaient les gardes provenait de quelqu'un appelé Al-Anka. C'est cette personne qui est derrière les attaques. J'ai entendu les gardes appeler Al-Anka le collecteur d'impôts. Ce qui est étrange, parce qu'Anka est féminin, non? Dis-moi son nom, et où je peux le trouver? Suhail habite une demeure de l'ouest de Kar. Sois prudent. Je doute qu'il agisse seul. Merci, l'ami. Wafakak Allah. المساعدة في التعامل مع الإغريقيين.
Calme-toi. Hermès ! Tu peux venir aussi si tu veux, avec plaisir. Il doit dresser un nouveau cocon pour le salut. Yalla! Il est comme un chien. Il a flairé ta piste. Hey! Ce petit collecteur d'impôts mérite une visite. Va-t'en d'ici. Prête-moi ton regard. Mmh.
T'es traité comme ça. Je sais, mais rarement en colère, mais tu vas devoir faire quelque chose. Ton honneur est en jeu, frère. Je peux peut-être trouver d'autres informations par ici. Des ordres d'augmenter l'impôt. Ce qui veut dire plus d'argent dans leurs mains. Qu'est-ce que... Je suis sûr que je te reverrai. Nous sommes prêts depuis notre naissance. Hein? C'est étrange.
courra moins bien quand je t'aurai arraché les yeux, un par un et avec les dents. Goûte à la mort! La barrière, au port, elle est financée par l'argent de la population. Observe bien. Le collecteur d'impôts ne travaille pas seul. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Quelqu'un d'étranger à Bagdad. Une senteur émane de la lettre. Du parfum. De la rose avec... du fer. J'en ai terminé ici. Rien d'autre pour l'instant. Roshan et Rebecca doivent sûrement m'attendre au bureau. En combattant avec les troupes de Bagdad de 38, j'ai pris une lance dans le dos. Hasard. Curieuse, ouais.
Notre assassin prodigue est de retour. Enfin, tu as retrouvé ton chemin. Qu'est-ce que tu nous rapportes? Celui que nous cherchons est un Demi-Hun. Quelqu'un qui n'est pas de Bagdad. En es-tu certain? J'en ai la preuve. Il travaillait avec le collecteur d'impôts et le capitaine du port. L'un employait les gardes pour malmener et faire payer les Demi-Hun. L'autre saisissait des biens sur les quais. L'extorsion, je peux comprendre. Mais des saisies... Encore des objets datant de ces êtres anciens qu'ils vénèrent? Ils cherchent une épingle à cheveux rare, arrivée par la voie de l'Est. Elle sera mise en vente au Dairat al-Mal. Une invitation officielle aux enchères. Nous pouvons désormais y entrer. Bien joué. Notre cible est certainement en lien avec Al-Anka et Al-Kululu, une personne travaillant de près avec les autorités. Nos informateurs ont entendu quelques murmures sur le trésorier du calife, qui s'intéresse de près aux activités de Kar. Un tel personnage fera forcément une apparition lors du Dairat al-Mal. Nous devons nous préparer. Je pars inspecter les lieux. Retrouve-moi près du souk lorsque tu seras prêt. Nous ne savons pas grand-chose sur cette personne. Il est toujours dangereux de sous-estimer l'adversaire. Tu t'inquiètes ? Cela devient de plus en plus intéressant. On voit qu'on s'attaque à des personnes de plus en plus importantes. As-tu vu le panneau ? Et la prochaine mission risque d'être très intéressante. C'est ainsi que se conclut cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un commentaire si vous le désirez. Cela fait extrêmement plaisir et ça soutient. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut !